Salut à tous, c'est Belloum. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top 5 des items les plus rares et les plus chers. Et puis voilà, aujourd'hui, objectif 20 000 likes. Parce que comme ça, on va pouvoir être dans les tendances. Et objectif 1 million de likes. Et pour la fin de l'année, j'aimerais bien avoir 100 000 abonnés pour avoir le cadre et pouvoir faire des vidéos avec le cadre derrière moi. Et puis c'est parti, allez, on y va. Et on va directement commencer à la cinquième position avec le Blue Party Hat qui a été acheté pour 1680 fucking dollars. L'histoire est assez conne, mais en fin de compte, pour obtenir cet item, il fallait tout simplement avoir des Crackers Christmas. Le truc assez drôle avec cet item, c'est que les gens l'avaient en masse, mais malheureusement, beaucoup d'entre eux l'ont supprimé. C'est ça qui a fait que son prix a légèrement, voire énormément augmenté. Donc au final, supprimez pas vos items. Pour le quatrième objet, on va parler de Diablo 3, car oui, j'ai passé beaucoup de temps sur Diablo 3, et je peux vous dire que cette arme, c'est une des plus rares. Et franchement, si j'aurais pu la loot, tu vois, j'aurais bien été content de la vendre. L'objet en question, l'arbalète légendaire, ou plutôt la Legendary Crossbow, qui a été vendue, tenez-vous bien, à 3 500 $. Alors vous allez acheter Diablo 3, vous allez prendre vos claviers, vos manettes, et vous allez niquer ce fils de pute de boss pour loot cette putain d'arbalète. Pour le troisième objet, on se retrouve sur Age of Wulin, une épée qui a été vendue, tenez-vous bien, parce que là, j'ai envie de... Là, je comprends plus, là. Là, elle a été vendue à 16 000 $. Oh, putain de bordel de cul, 16 000 $ pour une putain d'épée sur un jeu... Ah, c'est quoi ça? Mais le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas encore terminé, parce que le deuxième objet, c'est Edgero Flames Peak World Dog in Dota 2, donc ça veut dire que c'est un putain de cheval rose pété nul à chier sur Dota 2, qui a été vendu à 38 000 fucking dollars. Oh putain de bordel, 38 000 dollars pour un putain de cheval sur un jeu qui pue sa mère, tout ça pour amener des ressources de fils de chien. Mais what the fuck? Et pour la première place, là je sais plus quoi dire. Là, même gueuler, ça servira à rien. Parce que le mec, enfin c'est un groupe qui a acheté pour 635 000 dollars. Wow, on est où là? Ils ont acheté un putain d'astéroïde pourri, pété, nul à chier, pour 635 000 dollars! Wouh! What the fuck? Voilà, c'était le top 5 des meilleures armes sur les items trop cool sur les jeux vidéo. Vous mettez un pouce bleu, comme ça, vous allez pouvoir gagner 20 000 €. Et puis, voilà. C'était Belloum sur Land My Wacom, objectif 1 million de vues comme d'habitude. Allez, à plus tout le monde! J'suis fait comme un 15 décembre. Pur génie fait un feu. Sinon je pourrais pas te défendre. Elles ont des flammes dans les yeux. C'est qui ramasse tes cendres. Pas de relation sérieuse. Seulement celle avec le genre. Les Audi vont capter le champ. Les Audi vont capter le champ. Les Audi vont capter le champ.